La raison pour laquelle le capitalisme persiste, peut-être en premier lieu existe, mais surtout persiste, c'est parce que, en tant qu'humanité, nous sommes mal organisés. Ce que je veux dire par là, c'est que la première des organisations pour une humanité mature, c'est d'assurer à chaque individu, et donc à la collectivité, l'existence. Parce que, d'un point de vue spirituel, et je pense qu'il faut partir de là, nous sommes avant tout des consciences qui provenons de la conscience suprême. Donc nous sommes des morceaux de cette conscience, et l'existence, c'est en fait vivre des expériences qui vont nourrir cette conscience suprême et qui va utiliser toutes ces données pour créer de nouveaux mondes, des mondes de plus en plus complexes. Donc c'est-à-dire qu'il faut assurer que les consciences qui s'incarnent sur la Terre, pour parler de notre cas à nous, puissent vivre leur expérience. Et donc ça veut dire puissent vivre tout simplement biologiquement aussi longtemps que possible. Donc il faut que la société assure l'existence, soit par un revenu de base universel ou peu importe comment on l'appelle, soit peut-être par d'autres modes d'organisation, peut-être l'accès tout simplement gratuit à la nourriture et aux denrées et aux nécessités de base. Mais quoi qu'il en soit, voilà, une humanité qui mature, c'est une humanité qui assure l'existence de chaque individu, l'existence minimum. Ça ne veut pas dire ensuite que les individus n'ont rien à faire dans cette société et que ça va être une société de l'oisiveté. Parce que comme je le rappelle, nous sommes des consciences qui devons vivre des expériences. Donc à un moment donné, même si nos nécessités de base sont assurées, ça va nous dégager l'esprit, ça va nous libérer pour pouvoir nous consacrer à ce que nous sommes venus faire. Et chacun va pouvoir développer ses talents, ses intérêts, etc. Et donc contribuer à la société au travers de ses talents et de ses intérêts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont justement la motivation et peut-être le talent, le génie dans cette branche-là. Alors que là, aujourd'hui, on est poussé à faire n'importe quel job pour survivre parce que nos nécessités de base ne sont pas assurées. Et donc pour revenir au capitalisme, d'une part il y a l'avidité, etc. Mais je pense qu'aussi l'un des moteurs, l'une des raisons pour lesquelles on accumule à outrance, c'est parce qu'on a peur de manquer. Et donc se débarrasser du capitalisme passe à mon avis aussi par le fait d'assurer l'existence aux individus. Et donc même si dans une société il y aura quand même une poignée d'avides, la majorité, on n'est pas avide, simplement on veut pouvoir avoir notre existence assurée. Donc si celle-ci est assurée, on va arrêter au cours du temps, génération après génération, de vouloir accumuler comme ça. Ce n'est pas le seul mécanisme, bien sûr, il faut parler de la publicité, de tout un tas de trucs qui nous poussent à consommer outre que mesure. Mais en tout cas, je pense qu'une des premières choses, ça passe par là. Pour éliminer le capitalisme, il faut éliminer l'une des raisons pourquoi le capitalisme existe, et c'est la peur du manque. Donc assurer l'existence des individus, c'est devenir une humanité plus mature, et c'est aussi un pas vers se débarrasser du capitalisme. Voilà, tous vos commentaires respectueux sont les bienvenus, et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays: liberté, égalité, fraternité, vive la France.